Yo les gens, c'est Devy et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas toi derrière ton écran de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est toujours pas fait et de liker cette vidéo pour voir plus de vidéos sur ce genre de sujet. Donc si la vidéo te plaît, tu as compris le système. Je te laisse bien sûr commenter et lâcher un like en bas de cette vidéo. Et moi je te laisse avec la suite de cette vidéo. Donc les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur un jeu que je voulais vous présenter depuis un certain temps. C'est un jeu en gros, vous pouvez essayer. Ce genre de personnage, vous voyez. Là, genre, j'ai une position comme celle-ci et je marche très 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 bizarrement. Celle-ci, je l'ai dans mon inventaire, du coup, celle-ci, c'est ma préférée. Quand vous voyez que c'est marqué « Buy », c'est marqué que c'est en fait c'est pour acheter tout simplement. Acheter la chose. Et « Tree », ça sert à essayer essayer en fait tout simplement le truc. Et du coup là tout ce qui est accessoires personnages que vous voyez à l'écran, en fait vous allez avoir des accessoires qui sont gratuites et des accessoires qui sont payantes. Je vous dis tout ce qui est gratuit dans le jeu quand vous allez voir dans cette vidéo les amis. C'est des accessoires que vous pouvez aller tout simplement aller dans la boutique Roblox, sélectionner accessoires, accessoires gratuits. Si vous voyez que le compteur, je vous ai déjà fait voir plusieurs fois. Et vous allez avoir tous les accessoires gratuits. Donc ça sert pas à grand chose d'aller dans ce jeu là si vous n'avez pas de Robux. Après vous pouvez toujours visiter le jeu, hein. Voilà, tout le monde peut venir, voilà. Et si vous voulez les amis, je vous donnerai le lien en description sous cette vidéo, le lien du jeu, voilà. Si vous voulez vous aussi essayer le jeu, voilà. Voilà quoi. Du coup là, j'essaye une tenue, voilà. J'essaye la tenue de fille. Bien sûr les amis, vous pouvez pas acheter tous les accessoires que si vous avez des Robux, vous pouvez pas forcément acheter tous les accessoires parce que la couronne que j'ai sur la tête elle coûte quand même 50 000. C'est pas donné non plus. Donc on n'a pas tous les mêmes moyens, vous voyez, d'acheter des accessoires autant chers. Mais peut-être que vous avez les moyens, je ne dis rien. Mais voilà quoi. Celui-ci c'est pareil, ils ont dû faire une mise à jour sur ça les amis, vous allez comprendre pourquoi. Car le grand truc qu'il y a derrière le personnage qu'on a vient de voir à l'instant, le truc bleu là, et ben on peut plus l'avoir sur Roblox. Donc c'est un peu dommage s'il y a des personnes qui sont intéressées par ce genre de format de skin. Vous pouvez plus les avoir. Donc c'est un peu dommage de mettre ça. Ah, celui-là j'aime bien celui-là. Mais après chacun ses goûts les amis. Après c'est sûr que je vais jamais mettre des skins comme ça, comme celui-ci. Mais il y en a qui aiment. Mais moi c'est pas trop mon truc tu vois. Après vous avez les coupes de cheveux. Vous pouvez essayer des coupes de cheveux. Comme d'habitude vous pouvez les essayer ou les acheter. C'est vous qui choisissez les amis. Mais ouais c'est pas mal, j'aime bien moi. Après, ah ouais du coup regardez, les coupes de cheveux changent, je vais y arriver. À chaque fois les amis en fait, tous les 100 secondes, en gros tout ça ça change. Vous allez avoir des nouveaux skins du coup. Ça c'est plutôt pas mal. Parce que si vous avez fait vite le tour, vous avez vu tous les skins, tout ça, et bah vous avez d'autres skins qui arrivent, du coup ça se renouvelle.
Donc comme ce skin les amis, je viens de cliquer, vous voyez qu'il n'a pas du tout de tête. Et bah pour les personnes qui aiment ce genre de skin, je suis désolé pour vous, mais ça coûte 31 000 pour avoir une tête invisible. En fait c'est un corps entier, c'est un corps qui fait exprès pour Halloween, c'est l'homme sans tête. Et en fait c'est un personnage entier que vous achetez, mais vous pouvez acheter. Enfin, vous pouvez utiliser les articles séparément pour votre skin. Comme là, les têtes invisibles, il y en a beaucoup qui les utilisent, c'est souvent les riches d'ailleurs. Donc voilà, moi je l'ai pas personnellement. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que.